Bon bah pour la chaîne YouTube, vous inquiétez pas, en janvier on va commencer avec un truc assez lourd, à faire une vidéo sur le cosplay, Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de 2019. Wouhou! Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais devoir rétablir la vérité. Je vous ai menti depuis bientôt 2 ans et il est temps de remettre les choses en place. Dis la vérité. J'ai été nul sur une vidéo. Une vidéo où je n'ai pas bien fait mon travail. Et il est temps aujourd'hui de reparler de Everything Now d'Arcade Fire. En effet, en 2017, je sortais une vidéo critique sur, à l'époque, le dernier album de Arcade Fire, Everything Now. Malheureusement, comme j'étais un abruti complet quand j'ai fait cette vidéo, j'avais même pas écouté tous les projets d'Arcade Fire pendant la vidéo, et je me permettais quand même de faire une vidéo sur eux et de comparer leur dernier album à l'album Reflector. Et justement, Reflector, c'était un album que j'étais complètement passé au-dessus. Pourtant, en 2018 est arrivée une période incroyable où j'ai enfin rattrapé ce retard et où j'ai pu découvrir la vraie valeur du groupe. Déjà, je me suis mis à écouter Neon Bible à fond parce que je pense que c'est un incroyable album et que je le préfère limite presque à Funeral. Et surtout, parce que bordel de merde, leur 4e album à Reflector, c'est trop bien. Alors, j'aurais pu parler de leur 3 précédents albums, hein, mais je préfère par commencer directement par le 4e album du groupe, donc Reflector. Pour remettre les choses en place, sachez qu'en 2013, Arcade Fire commence déjà à devenir un groupe aimé de tous, notamment grâce à leur victoire aux Grammys pour The Suburbs. Et ils vont commencer une campagne de com' pour la venue de leur nouveau projet 3 ans après. Ainsi, dès début août 2013, le graffiti d'un logo cryptique, Reflector, commence à apparaître dans plein de villes à travers le monde. Puis, le 9 septembre de la même année, le clip du morceau éponyme Reflector sort avec une esthétique mystérieuse à la Resident. L'album sera donc produit par James Murphy de LCD Sound System, et sortira donc enfin le 28 octobre 2013 après la promotion de plusieurs morceaux avec des nombreux clips, dont celui de Here Comes the Night Time, qui contient 3 morceaux de l'album, et des caméos notamment de Michael Cera, James Franco ou bien Zach Galifianakis. Pour moi, ce clip confirme la popularité plus grande que jamais du groupe et l'entrée dans le mainstream du groupe. Pourtant, le son de ce Reflector, bien que plus dansant et toujours aussi travaillé, tente plein de choses. On passe d'un style à un autre, que ce soit le bruyant Normal Person, le dansant Here Comes the Night Time, ou bien encore les morceaux plus hard rock en fin d'album comme Hey Orpheus. Donc ouais, Reflector a été merveilleusement bien reçu par tous. Le groupe a pu continuer finalement à garder son intégrité tout en étant acclamé par les presses et les gens en général. C'est la fête, c'est génial, bordel, il y a même un film qui est sorti en 2015, The Reflector Tape, sur l'enregistrement de l'album et sur la tournée en concert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? 28 juillet 2017, le 5e album d'Arcade Fire sort enfin après des singles qui vont diviser à chaque sortie. L'album entier lui aussi divisera. Alors, autant il y en a qui vont le défendre et dire que c'est un grand album, que c'est peut-être le meilleur projet de 2017 et que Arcade Fire reste les padres du rock indé, autant il y a tout ça. Alors pourquoi je vous reparle aujourd'hui de ce projet? Eh bien, parce que mesdames et messieurs, Everything Now est injustement critiqué. Et maintenant, je vais parler et répondre au moi du passé. Alors déjà, à l'époque de la vidéo, je suis complètement passé à côté du concept de l'album. Toute la com était pourtant basée dessus, mais il faut croire qu'à l'époque, j'étais trop occupé à je ne sais quoi. Donc, tout l'album et la promotion a été, je trouve, assez original. C'est-à-dire que le groupe a inventé une fausse corporation, Everything Now, et de faux logos pour chaque morceau de l'album. Un peu comme si tout le disque était simplement un melting pot de la consommation. Chaque partie de l'album étant pensée comme un produit plus qu'une chanson en tant que telle. Cette métaphore se voit ainsi déjà sur l'art de l'album. La pochette représente un paysage montagneux avec au milieu un billboard, non, pas toi dégage, représentant le décalage entre le projet artistique honnête et le projet commercial fait pour brasser de la thune. Et finalement, si on reprend le contexte de sortie de l'album, après un grand succès commercial comme Reflector, ce message a du sens. Combien de groupes ont sorti un projet ne leur ressemblant pas du tout au bout d'un certain moment? Combien se sont perdus artistiquement? Weezer, Gorillaz ou même Queens of the Stone Age, les trois ont un moment sorti quelque chose à part, ne leur ressemblant même pas, et qui a déplu. Donc oui, déjà, l'ambiance de tout le projet est intrigante. Donc comment l'album s'en sort musicalement maintenant? Bah ouais, on est là pour la musique, on n'est pas pour des logos. Eh bien, finalement, si on reprend l'idée de chaque morceau conçu comme un produit, cela justifie la grande variété et les nombreuses directions prises pour chaque morceau. Donc c'est parti pour le déroulement de la tracklist. Alors déjà, faut savoir que l'album est pensé comme quelque chose d'écoutable à l'infini. Le premier et dernier morceau sont les mêmes, Everything Now Continued, un morceau lent qui est là pour former une boucle entre le premier et le dernier morceau. Un peu une manière d'accentuer le côté commercial en mode, voilà, tu dois seulement écouter et profiter de notre produit. Et puis on arrive sur le morceau éponyme, le premier single de l'album, Everything Now.
un rythme et un son finalement assez commercial et pas risqué à la Coldplay ou la U2, mais qui s'écoute surtout pour ses paroles résumant assez bien la pensée de l'album. Le refrain par exemple exprime tout à fait la pensée « je dois consommer de tout l'album ». Puis au final le morceau reste assez entraînant et accessible pour tous. Le type de son que ta mère va dire « oh c'est vraiment pas mal !» À l'époque de la vidéo, j'avais dit là, cette piste là, elle est ultra chiante. Et aujourd'hui, évidemment, j'adore ce morceau parce que je suis bipolaire, comme Deadpool. Il ne protège pas. De quoi? Alors là, on rentre dans un morceau presque écrit comme une blague et une autodérision du groupe, notamment pour parler de Cool Kids, Stuck in the Past, et en faisant référence à des paroles de The Suburbs, un album sur la nostalgie un peu comme une autocritique. C'est un genre de morceau qui est pensé pour être assez con, notamment pour des paroles comme celle-ci, mais qui est super entraînant pour oublier les paroles, un peu comme la pop moderne quoi. Alors c'est un morceau que j'avais résumé par... Bon alors ce morceau là en vrai je l'aime bien, mais alors la voix de Régine elle est insupportable. Alors qu'en vrai il parle d'un sujet assez sensible, le suicide et la société d'aujourd'hui notamment. La chanson fait ainsi référence aux réseaux sociaux et à ce que peut entraîner sur des gens mal dans leur peau, qui n'ont pas confiance en eux. Et puis même, le son a quelques sonorités électriques et qui encore une fois hyper entraînante. Et oui, ok, Régine peut paraître agaçante au début quand elle hurle dans les refrains, mais promis, je vous jure on s'y fait. Mais surtout ce qui rend ce morceau super cool, c'est qu'il est directement lié à un autre morceau de l'album arrivant plus tard, Good God Damn, qui parle justement de quelqu'un voulant mettre fin à sa vie et finalement y reconsidérer. Alors musicalement le rapprochement est pas trop là, mais les paroles, elles, se répondent entre elles. Après Creature Comfort, on arrive sur Peter Pan, un morceau qu'on pourrait dire à l'époque de ma vidéo OZEF, sauf que NON, je m'y résiste. On arrive ici sur le premier break, posé et relaxant, qui finalement fait du bien après toute l'énergie délivrée par le groupe sur le premier quart. Un morceau reggae que, encore aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à apprécier, malgré que déjà je le tenais déjà plus à l'époque de la vidéo où j'en avais parlé. Je pense que ce morceau est assez significatif, finalement, de tout l'album. Certains vont l'adorer, d'autres détester, un peu comme tout l'album. Ensuite, on arrive à la moitié du disque avec Infinite Content. Alors, comme expliqué dans ma vidéo de 2017... Bon, alors celle-là, c'est une chanson en deux parties. La première partie, elle fait générique de dessin animé, elle est ultra gênante. Et la deuxième partie, elle reprend les mêmes paroles que la première, avec le même air. Mais au lieu que ce soit une guitare électrique qui joue, c'est une guitare acoustique. Le morceau est l'image de l'album. Ce message sur la consommation et sur la surexposition de contenu qu'on reçoit chaque jour. Comme cette vidéo par exemple. Et après un morceau concept en lui-même, le groupe nous sort Electric Blue, que j'avais nommé comme pire morceau avec Chemistry à l'époque. Sauf que si je pensais pareil, cette vidéo n'existerait pas. Et donc oui, Electric Blue est un bon morceau. Un moment électronique groovy avec une Régine qui se pousse à la chanson pour nous livrer un moment finalement que je trouve assez poétique dans toute la masse de l'album. Poétique car le morceau fait référence à David Bowie qui avait participé sur Reflecteur à l'époque, mais aussi parle d'une relation du point de vue d'une femme dans notre monde moderne. Avant-dernier morceau, Put Your Money On Me est peut-être mon préféré. Déjà parce que les paroles, typiquement celles d'une chanson d'amour, sont belles avec ses nombreux parallèles à la religion, mais aussi car musicalement, tout le morceau se veut comme quelque chose de grand, avec ses chœurs et son aspect progressif du début qui fait monter la pression. Dans ma vidéo à l'époque, je désignais ce morceau comme le sauveur de l'album. Au final, oui, c'est un des grands points forts, et il reste cohérent avec tout le projet. La première partie était éclectique et partait dans tous les sens, et plus on se rapproche de la fin de l'album, plus on a une approche assez humaine, plus terre à terre. Comme si le groupe qui partait dans une direction commerciale au début se rendait compte de son erreur. Et justement...
We Don't Deserve Love. Le dernier morceau est une remise en question sur Arcade Fire en question. Bah déjà rien que le titre du morceau parle de lui-même, hein. Mais aussi sur un temps maintenant passé qui était moins embrouillé comme celui d'aujourd'hui et on était moins exposé à toutes les images son comme on l'est aujourd'hui. Et le son fait beaucoup penser à du Arcade Fire de l'époque de Funeral ou de Suburbs, à la guitare posée tranquillement. Clairement un très beau moyen de finir cet album qui nous a fait réfléchir sur pas mal de sujets et un peu une manière du groupe de nous rassurer sur la nature de l'album. Vraiment, je ne pense pas que cet album soit un moyen du groupe de se mettre à être un groupe de pop rock, mais clairement juste un album concept bien précis avec son lot de messages, comme on a pu le voir tout le long de l'album. Et voilà, c'était Everything Now. Alors évidemment c'est maladroit parfois, hein, par exemple dans Chemistry, et ça peut brailler pour rien dans Creature Comfort. Mais finalement, est-ce vraiment la plus grande déception comme j'ai pu le dire à l'époque? Clairement pas. Si j'ai pris le temps de parler de Reflector au début, c'est car comme Reflector, on a un son différent mais qui garde toutes les racines du groupe pour ne pas abandonner les fans de la première heure. Et pourtant, après cet album, beaucoup ont lâché le groupe. La faute peut-être aux médias qui les ont survalorisés. À chaque album, il y a un tube en fait, hein, c'est ça. À chaque album, il y a un tube en fait. Plus d'un tube même à chaque album. Je sais pas. Que des tubes. Ouais. Alors, vous aimez... Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la société de consommation? Quel symbole? Oui, parce qu'en fait, vous êtes un groupe hyper cool, vous êtes le groupe le plus cool du monde, mais vous critiquez la société du cool, d'une certaine manière. Je veux dire ça. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ou peut-être juste que les gens souhaitaient revoir un son la Funeral Wall sans une grosse prise de risque comme on a eu là. Le fait est que, avec ça, on a un album qui aura fait parler de lui à la sortie et qui, même s'il fait moins parler aujourd'hui, reste important pour le groupe et même pour la musique indépendante en 2017. Puis bon, c'est loin d'être le pire truc de 2017, hein. Vous voulez que je vous rappelle ce qui est sorti en 2017? Voilà. Allez, salut. Just a reflection, a reflection, a reflection, a reflection.